15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le chagrin d'amour est une ronce dans le cœur et j'espère que le vôtre de cœur d'ailleurs s'est un peu apaisé lors de notre émission d'hier grâce aux propos éclairés de notre invité Bruno Imbeck. Soyez les bienvenus sur RTL, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 16h et en direct donc, je le disais s'il vous plaît, où que vous soyez, vous êtes ici chez vous. Et la force de la radio, c'est de vous suivre partout. Alors dans votre voiture, soyez prudents si vous êtes sur la route, dans votre maison, dans votre jardin, sur votre ordinateur ou sur votre tablette sur rtl.fr. Et même dans votre oreillette, j'adore l'idée de vous parler dans l'oreillette. Alors si vous souhaitez rentrer dans le bal de notre conversation, je vous attends là, au bout du fil, si vous composez le 3210 ou encore sur les réseaux sociaux. C'est le week-end de Pâques, vous devez vous en réjouir, peut-être qu'il va être prolongé pour certains d'entre vous. Et qu'allez-vous faire ce week-end? Eh bien vous allez aller au cinéma pour découvrir le nouveau film de Thomas Lilti intitulé Médecin de campagne avec François Cluzet et Marianne Denicourt. Ce médecin, ce fameux médecin à qui l'on confie toujours bien plus que la santé de nos artères. Quelle place lui donnons-nous dans notre vie? Que représente-t-il? Et que représente ce fameux médecin de campagne? Pourquoi est-ce un métier en voie de disparition? Il faut sauver le médecin de campagne, on en parle aujourd'hui avec le réalisateur du film, Thomas Lilti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà dans ce studio pour nous parler du film précédent, Hippocrate, ouais, qui a fait son carton. Et visiblement, en plus, médecin de campagne sorti il y a quelques jours va suivre le même chemin. On croise les doigts, mais a priori, c'est parti pour, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, Thomas, à chaque fois que vous parlez en images, avec vos caméras, avec vos films, de ce métier qui, à l'origine, est le vôtre aussi, puisqu'il faut le préciser, vous êtes non seulement réalisateur, mais vous êtes médecin également. Est-ce que vous avez le sentiment, en abordant ce sujet, en le dépeignant de cette façon, d'aller toucher vraiment dans le cœur de ceux qui viennent vous voir? Je ne m'en rends pas bien compte, évidemment, c'est difficile, mais je crois que la problématique de la santé, le rapport au médecin, le lien, l'échange qui existe entre le médecin et le patient est quelque chose qui touche les gens, qui est important, qui est essentiel, qui est au cœur de leur vie, en fait, le rapport à leur médecin. Alors notamment un médecin de campagne, un médecin de famille, finalement plus que médecin de campagne, le médecin de famille, c'est quelque chose qui est très cher aux yeux des gens, et je crois que c'est ça qui potentiellement les touche ou peuvent les toucher quand ils voient ce film. Film ou le film précédent. Alors il en est un qui a vu votre film et qui s'y est peut-être retrouvé, c'est votre voisin. Docteur Vieille-Dent, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Flavie, je suis ravie de m'avoir convié. De vous recevoir. Vous êtes un médecin de campagne, comme on dit, à la retraite, hein, depuis maintenant quelques petites années. Voilà. Auteur de cet ouvrage, Médecin de campagne, une vie chez Calman Lévy. Est-ce que c'est une vie, justement, tout entière que d'être médecin de campagne? Pour moi, cela a été, en tout cas. Oui, ça a été votre vie. Tout à fait. Les circonstances m'ont amené à, et je me suis retrouvé le lendemain du dernier jour de mon internat à Montpellier, je me suis retrouvé le lendemain, le dernier dimanche de mai 68, oui. À Saugues, en Haute-Loire. J'y allais un petit peu pour 6 mois, et puis j'y suis resté presque 45 ans. Voilà, vous avez fait plus de 50 000 km par an sur les routes. Vous avez arpenté à pied des quantités de sentiers, hein, pour aller soigner à toute heure du jour et de la nuit. Quand je dis que c'est une vie, est-ce qu'effectivement les patients sont plus que des patients en réalité pour un médecin comme vous? Oui, j'ai appris, la faculté évidemment à l'hôpital ce n'est pas le cas, mais en campagne et dans la vie rurale, on est amené à voir un certain nombre de facettes de la population rurale et qui nous rapprochent de plus en plus et à chaque visite, à chaque consultation de la famille, des générations, des enfants et surtout quand on fait des accouchements. Alors, vous allez nous raconter effectivement ces fameuses femmes que vous avez aidées à mettre au monde leur enfant. Vous allez nous raconter, hein, différentes anecdotes de votre passé de médecin de campagne. Mais c'est vrai qu'on le sent à la lecture de votre ouvrage et dans votre témoignage. On sent cette humanité qu'on retrouve dans votre film, Thomas. On ne peut pas être médecin sans être humain, en réalité. C'est ce que je disais, on ne vous remet pas simplement la santé de nos artères entre les mains. Non, surtout le médecin de famille, le médecin de campagne, c'est un médecin qui est plus qu'un médecin. C'est un confident. C'est un assistant social, ça peut être aussi un psy, ça peut être un ami, un compagnon. C'est vrai que c'est quelqu'un, comme j'essaie de le montrer dans le film, ce qui était au cœur de l'envie de faire ce film et ce qui peut-être
dégage une forme d'humanité, c'est l'idée de raconter que le lien qui unit le médecin au patient est un lien réciproque. C'est pas juste le médecin qui donne quelque chose à son patient, c'est le médecin qui donne quelque chose mais qui reçoit beaucoup en échange. Il reçoit évidemment de la reconnaissance, de l'amitié, et c'est ce lien là qui est très fort et qui fait aussi la beauté de ce métier. Au même titre qu'il y a un clocher dans un village, il faut qu'il y ait un médecin, c'est un point de repère aussi. Je pense que c'est indispensable, c'est une grande perte, la disparition des médecins dans certaines zones rurales, et pas que rurales, hein. Il faut le rappeler, dans certaines petites villes, les médecins disparaissent aussi. Je pense que c'est une grande perte et qu'il faut absolument trouver des solutions pour ramener les médecins sur tout le territoire. Voilà, ils ne sont pas là que pour nous soigner, bien plus. On va en parler avec vous évidemment sur cette antenne. Beaucoup d'auditeurs, beaucoup de messages sont arrivés jusqu'à nous. Je vais m'en faire l'écho dans un instant. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez composer le 3210. Et puis comme vous le savez, c'est Pâques. Alors à Pâques, on est encore plus généreux que d'habitude. Et RTL et Montbana vont vous offrir une corbeille Prestige. C'est dommage, on n'en a pas une dans le studio parce qu'on l'a déjà mangée. Mais vous devriez appeler parce que si vous témoignez sur l'antenne, eh bien vous la recevrez. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Le docteur Vieilhedan est votre invité. Le docteur Vieilhedan, il est médecin de campagne à la retraite. Il a écrit un ouvrage justement sur son existence, Médecin de campagne, une vie chez Kalman Levy. Et puis à ses côtés, Thomas Lilti, il est médecin, il est réalisateur du film Médecin de campagne, actuellement à l'affiche. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir un film extrêmement émouvant qui raconte non seulement l'histoire d'un médecin de campagne qui doit quitter son cabinet et donc trouver quelqu'un pour lui succéder. On va en parler évidemment au cours de cette émission. Thomas Lilti, mais qui raconte aussi une France qui vit, une France qui vibre, une France qui est profondément humaine. C'est ça que j'ai aimé aussi dans votre film. C'est un peu un documentaire d'une France qu'on traverse sans pour autant la regarder. Oui, j'ai voulu ancrer le film dans une campagne qui n'a rien de spectaculaire, qui est cette campagne qu'on retrouve dans toutes les régions de France finalement, qui n'est pas si loin des villes, et où les gens ont le sentiment très très fort de vivre un petit peu loin des décisions politiques, loin de l'intérêt général. Et pourtant, ces gens, ils essayent de se rendre la vie la moins difficile ou la plus supportable possible, en tout cas, en s'entraidant, en étant quand même, en vivant ensemble. Et le médecin, il joue un rôle essentiel dans ce lien social entre toutes ces personnes. Et ça, c'est vrai que c'est au cœur du film. Ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas exercé depuis le tournage d'Hippocrate. Ça fait à faire 3 ans et demi que j'ai arrêté d'exercer. Bien sûr, ça me manque beaucoup. Qu'est-ce qui vous manque, Thomas? Ce qui me manque, c'est c'est l'altruisme, quoi. C'est le fait de donner à l'autre. Quand on pratique la médecine, ce qui est beau, c'est que finalement, on est tourné aussi beaucoup vers les malades et un peu moins vers soi, alors que le cinéma, et notamment la promotion, on est totalement auto-centré. Donc ça me manque. Je pense que ça me manque et que ça me ferait du bien de reprendre un petit peu la médecine. C'est un grand écart que vous faites, hein, entre effectivement le monde de la médecine et le monde du cinéma. Docteur Vieilhedan, est-ce que tout le monde peut être médecin de campagne? J'entends par là, Thomas nous parle de cette humanité, nous parle de ces échanges, de l'altruisme qu'on peut retrouver, de la solidarité dans des villages. Il faut être à l'image aussi de cette campagne pour pouvoir y exercer. Oui, absolument. Il faut avoir eu ou quelques expériences ou quelques moments de sa vie où la notion d'altérité, si je change un tout petit peu par rapport à l'altruisme qui est évoqué par Cyrulnik, eh bien, vous pouvez être sensible à cette population, et notamment la population rurale qui est un peu rustre au départ et qui se dévoile au fur et à mesure des consultations. Je pense que, pour revenir au film de Thomas Lilti, j'aurais un petit peu aimé qu'il soit un peu plus proche de la nature rurale. Alors pourtant, moi j'ai eu le sentiment qu'on y était. C'est génial parce qu'en fait, le docteur Vieilhedan, lui aussi, va se mettre au cinéma et va faire critique de cinéma maintenant, c'est Thomas. Ça, mais je suis ravi. Il je suis va ravi, profiter de sa retraite pour faire critique de cinéma. Mais le docteur Vieilhedan a totalement raison. Et déjà, il a raison d'avoir la subjectivité sur le film. Et c'est très bien. Et je le prends de façon très positive. C'est un film. Ce n'est pas un documentaire. On est quand même dans un film de divertissement, romanesque. C'est une fiction. Voilà, donc il a fallu aussi que je prenne quelques libertés et je n'ai pas raconté l'histoire du docteur Vieilhedan. Sinon, il aurait fallu certainement que j'achète les droits de son roman. Mais maintenant, vous avez fait connaissance. Mais j'ai peur, Thomas Lilti, que au travers
de cette vision des choses, vous enfonciez un petit peu plus le médecin de campagne. Alors, non, écoute, je crois pas du tout. Non, alors ça, pas vraiment, du tout, en plus, c'était pas. L'objet de votre rencontre était justement de partager ces expériences. Ah, moi, je trouve qu'au contraire, enfin, pardonnez-moi, mais moi qui suis une fille de la campagne, j'y ai retrouvé, effectivement, même ce monde rural dont vous parlez, et puis après, on donnera la parole à Aline, parce qu'on va revenir sur notre sujet, mais ce monde rural qui doit nous accepter. Qui aussi. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que tout le monde peut être médecin de campagne? Pas sûr, parce qu'il faut aussi que ce monde, à un moment donné, nous accepte et que cette relation de confiance s'établisse. Oui, c'est pas simple. D'ailleurs, on le voit dans le film. Cette femme qui arrive, qui est jouée par Marianne Denicot, elle met du temps avant de trouver, de comprendre les codes, alors que c'est une bonne médecin. C'est quelqu'un qui a l'envie, qui a le désir, mais elle se fait pas accepter tout de suite. La reconnaissance n'est pas suffisante. Oui, exactement. Et le médecin de campagne, pour bien pratiquer ce métier, ça nécessite, ça demande des qualités humaines hors du commun, et je crois que le film le montre. Alors, si vous le voulez bien, on va accueillir Aline. Aline, elle nous a laissé un message, et tout à l'heure, j'ai sauté sur mon ordi pour lui répondre en disant « Aline, Aline, il faut qu'on se parle ». Bonjour Aline, bienvenue sur RTL. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Vous aviez peur de perdre tous vos moyens. Vous voyez, c'est super cool en fait. Tout se passe très bien ici. Alors Aline, j'avais envie que vous nous parliez de votre médecin parce que quand on a proposé ce sujet, vous nous avez tout de suite écrit et j'ai trouvé ça très joli. Vous vouliez rendre hommage au docteur Genet. Oui. Qui est-il ? Alors le docteur Genet, donc, c'est devenu le docteur de ma maman quand elle était enceinte de moi. Oui. Donc, il y a déjà 29 ans. Ouais. Et puis, ça a toujours été mon médecin. J'ai jamais connu d'autres médecins, en fait. Alors, en fait, ce médecin, vous avez une relation particulière avec lui, puisque, comme vous le dites, hein, il vous suit depuis votre plus jeune âge. Vous étiez même dans le ventre de votre mère, donc ça date, oui. Effectivement. Il vous tutoie. Bah oui, il me tutoie, oui. Oui, oui. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez cette relation, selon vous ? Bon, on s'est toujours connu et puis bah, le personnage est comme ça aussi. C'est vrai qu'il est très proche de ses patients, il est blagueur, il est comme ça quoi. C'est vrai que quand on est dans son cabinet, on a un petit peu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de sa famille quoi. Eh bien, vous allez le développer justement ça dans un instant, Aline. J'espère qu'il écoute RTL, le docteur Genet, parce que c'est pas toujours évident. À mon avis, il a beaucoup de travail. D'être à la une, eh bien, vous lui direz qu'il pourrait écouter ça en replay, en tout cas sur RTL.fr. On va vous retrouver dans un instant justement, Aline, et vous allez nous expliquer effectivement que malgré votre déménagement, vous allez toujours le voir. À tout de suite. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Aline, vous êtes toujours avec nous ? Oui, toujours. Merci Aline pour votre fidélité. Vous allez donc nous parler, alors que vous habitez dans les Côtes d'Armor, du docteur Genet, qui va avoir son quart d'heure de célébrité, comme dirait Andy Warhol, sur l'antenne d'RTL. Vous vouliez lui rendre hommage, alors vous nous expliquez il y a un instant qu'en fait il s'occupe de vous, même depuis très longtemps, depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Oui. Ça a été en fait une histoire du domaine de l'évidence pour vous. Vous nous expliquez qu'il faisait partie presque de votre famille. Est-ce que vous connaissez d'autres métiers comme ça, de gens qui peuvent vous entourer dans votre existence? Qui vous apporte ce genre de réconfort ou qui trouve cette place particulière? Est-ce qu'on donne cette place-là à un boulanger, à son dentiste? Bon, je pense que c'est pas la même relation parce qu'on parle de choses beaucoup plus personnelles à son médecin traitant, donc c'est pas forcément la même relation quoi. Vous dites parler de choses personnelles, ça veut dire qu'on ne parle pas que de sa santé, on va au-delà aussi avec un médecin? Oh bah oui, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Quand on traverse des périodes difficiles dans sa vie, ça peut être aussi de l'ordre de la psychologie. Enfin oui, c'est un médecin généraliste, donc on peut parler de tout avec son médecin généraliste. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le médecin généraliste. Quoi. Thomas, vous voulez réagir ? Oui, je dirais que le seul équivalent, peut-être, ce serait l'instituteur ou l'institutrice qui comme ça, va connaître plusieurs, au moins, générations, voire plusieurs membres de la même fratrie et a une vision globale, comme ça, de la famille, souvent. Voilà, parce qu'il y a effectivement, vous avez raison, dans l'enseignement, cette psychologie qui est si importante et qui crée les liens entre les gens. Vous expliquez que vous redoutez, en fait, Aline, le jour où il prendra sa retraite? Oui, bon après je ne me laisserai pas mourir, hein. Si je tombe malade, il va bien falloir que je trouve un autre médecin. Mais c'est vrai que oui, ça va faire bizarre parce que j'ai toujours été habituée avec le docteur Genet, donc oui ça... Vous aurez le sentiment de vous en remettre à quelqu'un qui ne vous connaît pas, d'avoir une nouvelle histoire en fait à créer? Exactement, c'est exactement ça. Vous avez déménagé? Oui, j'ai déménagé, oui. Et vous êtes deux ans. Ouais. Et toujours fidèle au docteur Genet. C'est-à-dire que pour vous, en fait, il y a cette relation qui s'inscrira jusqu'au moment où il partira. C'est ça.
Et après, donc il faudra poursuivre l'histoire différemment. Thomas, vous abordez justement, hein, vous, cette problématique du départ à la retraite, ou en tout cas du fait de devoir céder un jour son cabinet. De devoir transmettre. Oui, je pense que c'est un des gros problèmes. C'est évidemment une difficulté, de toute façon, pour les médecins, à cause de ce lien si fort aux malades, d'accepter qu'il faille à un moment donné passer la main. Et puis surtout, alors là, c'est le problème beaucoup plus concret des déserts médicaux, c'est que les jeunes médecins, aujourd'hui, ne veulent pas aller s'installer, pratiquer à la campagne, ou en tout cas dans des zones comme ça, désertées, parce que les déserts ne sont pas que médicaux, malheureusement, oui. Beaucoup de secteurs d'activité qui s'éloignent des campagnes. La pratique est difficile, la pratique est solitaire, la solitude est quelque chose de très difficile à vivre pour les médecins, et notamment les jeunes médecins qui ne sont pas... Et puis, ça demande souvent beaucoup de sacrifices, cette pratique-là. Donc, il faut trouver des solutions pour réussir à ce que les médecins se sentent moins seuls à la campagne. Donc, comment faire? Beaucoup de les politiques se cassent... Se casse les dents, ça, on dit pas du tout ça. Hein. La tête ou les dents? Oui, je crois, sur le sujet, voilà. Voilà, parce qu'effectivement, il faut rendre cette fameuse campagne attractive, parce que c'est vrai que Docteur Vieille-Dent, comme le disait Thomas Lilti, il y a ce voyage en solitude, hein, lorsque l'on est médecin de campagne, et puis il y a cette idée aussi qu'on soigne tout le monde et qu'on devient quelqu'un de référence, c'est-à-dire que ça vous prend du matin au soir, 7 jours sur 7. Oui, la solitude, personnellement, je ne l'ai pas ressentie parce que j'étais très proche de chaque malade et j'étais tellement pris que je ne pouvais pas... Oui, nourri par votre relation à votre patientèle. Absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, en effet, comme disait M. Lilti, trouver les moyens pour que les jeunes médecins aient envie de revenir soigner leurs semblables. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui explique les problématiques de désertification. Vous, quand vous avez quitté votre cabinet, il y a en 2012, comment ça s'est passé? D'abord, depuis 20 ans, on essaye de trouver des solutions et que les responsables n'arrivent pas à trouver. Pour ce qui me concerne, j'ai été maître de stage pendant à peu près une dizaine d'années. J'ai cru à un moment donné qu'un jeune médecin qui était originaire du coin je pensais qu'il allait venir s'installer à mon cabinet, et son épouse a préféré rejoindre son propre milieu et surtout son activité. Il faut tenir compte maintenant du fait que les jeunes médecins ne sont pas seuls, ils sont avec une famille et ils doivent tenir compte de ces considérations. Un message que nous avons reçu d'Anne-Marie: j'ai un excellent médecin homéopathe, très psychologue, proche de ses patients, et un médecin de campagne justement, un jeune qui vient de reprendre le cabinet de son père avec son ami d'études. Ils sont super, j'ai beaucoup de chance. Effectivement, on sent que c'est une histoire assez rare, et merci Anne-Marie pour votre message. Je voudrais remercier également Aline. Vous voyez Aline, tout s'est bien passé, et c'était plutôt cool, donc restez-nous fidèles. Je me permets de vous embrasser et de vous souhaiter un très bon week-end, et puis sachez, comme vous avez été sympa sur cette antenne, que vous pourrez partager des chocolats avec le docteur Genet. On va vous les envoyer. Ah, super. Des chocolats Montbana, une corbeille prestige pour Pâques. Je vous embrasse Aline, merci beaucoup. Merci à vous. Thomas, je vous embrasse. Thomas, je vous embrasse aussi, parce qu'il va falloir que vous filiez, oui, mais je vous remercie d'avoir passé une demi-heure avec nous, et je voudrais vous remercier aussi pour ce beau moment d'humanité que j'ai passé au cinéma devant ce film. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à nouveau, et je vous souhaite une bonne émission. Et de joyeuses Pâques. Et voilà, et je vous embrasse, et vraiment il faut aller voir médecin de campagne. Nous, on poursuit notre conversation avec le docteur Vieille-Dent.